Cardinal de Retz, mémoire 1. Nous retournâmes au carrosse. Monsieur de Turenne et moi. Avec les éclats de rire que vous pouvez imaginer. Et nous fîmes, lui et moi, dès le moment même, deux observations que nous nous communiquâmes dès le lendemain. Matin. Il me jura que la première apparition de ces fantômes imaginaires lui avait donné de la joie, quoiqu'il eût toujours cru auparavant qu'il aurait peur s'il voyait jamais quelque chose d'extraordinaire. Et je lui avouai que la première vue m'avait ému, quoique j'eusse souhaité toute ma vie de voir des esprits. La seconde observation que nous fîmes fut que tout ce que nous lisons dans la vie de la plupart des hommes est faux. Monsieur de Turenne me jura qu'il n'avait pas senti la moindre émotion et il convint que j'avais eu sujet de croire par son regard si fixe et par son mouvement si lent qu'il en avait eu beaucoup. Je lui confessai que j'en avais eu d'abord, et il me protesta qu'il aurait juré sur son salut que je n'avais eu que du courage et de la gaieté. Qui peut donc écrire la vérité? Que ceux qui l'ont senti. Et le président de tout a eu raison de dire qu'il n'y a de véritables histoires que celles qui ont été écrite par les hommes qui ont été assez sincères pour parler véritablement d'eux-mêmes. Ma morale ne tire aucun mérite de cette sincérité, car je trouve une satisfaction si sensible à vous rendre compte de tous les replis de mon âme, et de ceux de mon cœur que la raison, à mon égard, a beaucoup moins de part que le plaisir.
dans la religion. Et l'exactitude que j'ai pour la vérité.